Je suis sûr que vous voudriez que je remercie chaleureusement Graça Machel d'avoir fait ce qu'elle a fait, à savoir nous inspirer et nous ouvrir les yeux sur une nouvelle vision de la migration. Elle a finalement présenté tous les éléments en une seule fois. Nous vous avons lancé un défi le premier jour avec un certain nombre d'éléments cités qui ont été abordés par Madame Machel. On a dit qu'il fallait que l'on change l'histoire et que l'on passe d'une histoire négative à une histoire positive. On a dit qu'il fallait que l'on arrive à gérer les différences et les diversités sociales, raciales et religieuses. Sans cela, nous allons échouer. Eh bien, elle nous a présenté tout ceci en un seul coup, de façon éloquente. Elle nous a dit combien ce sujet était éthique, combien il était politique, combien il faudrait que nous travaillions tous ensemble pour arriver à gérer cela. Il fallait faire le lien entre la migration et les développements. Les migrants sont le développement. Vous avez parlé de la migration en termes de mobilité humaine, qui est un terme très large. Et la migration ne se résume pas à juste de la migration. Vous avez parlé du fait que la migration sud-sud était maintenant presque aussi importante que la migration nord-sud. Vous avez parlé de l'importance du fait de traiter la diaspora pour qu'ils puissent contribuer aux communautés locales et d'origine. Vous avez parlé de la nécessité de lutter contre les ressentiments anti-migrants et d'aider à la qualité de la migration, et vous avez parlé surtout, et c'est peut-être le plus important, de la priorité, à savoir honorer et sauvegarder les vies humaines. Et c'est finalement l'essence de ce que nous faisons. Je veux vous remercier. Je n'aurais pas pu espérer quoi que ce soit de mieux que ce que vous avez fait. C'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup et je propose qu'on vous applaudisse de nouveau. Thank you very much, Excellency. Merci beaucoup, Excellence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de nos programmes de travail pour ce matin. Et nous passons directement à la deuxième partie, qui est un débat de haut niveau. Et je vais maintenant demander aux personnes qui doivent être à la tribune de venir nous rejoindre.
Bonjour à tous de nouveau et merci d'être ici présent pour notre débat de haut niveau sur le programme de développement des Nations Unies pour l'après 2015, immigration. Je vous souhaite la bienvenue à ce débat de haut niveau et c'est un plaisir de pouvoir vous présenter une tribune de personnalités de haut vol et de haut vol d'un grand nombre de points de vue sur la question du développement et des migrations. Je crois que pendant ce débat, cette discussion, nous allons essayer de faire deux choses. Nous allons d'abord essayer de parler de comment la migration jusqu'à date a été présente dans le processus post-2015, dans les débats post-2015, et ensuite comment les discussions devraient évoluer entre maintenant et la date d'adoption de ce programme en 2015. Mais avant de vous présenter la tribune, j'aimerais faire quelques remarques très brèves sur ce programme après 2015 et sur ce que fait ou essaie de faire l'OIM à votre demande lors du dernier conseil. Alors, la question de la migration et du développement, ceci figure dans les discussions depuis déjà de nombreuses années. Mais comme vous le savez, c'est un sujet qui a été totalement absent des objectifs de développement du millénaire. Et on ne dit absolument rien, y compris des déplacements de population. Et à vrai dire, la première fois que l'on a fait référence au problème des conflits et de l'instabilité politique et des personnes déplacées a été au paragraphe 47 de la déclaration de la réunion de Cancun de 2012. Donc, il faut que l'on travaille d'arrache-pied pour s'assurer que la migration et le développement figurent en bonne place au programme de développement après 2015. On a donc un défi qui nous est lancé. Il faut que l'on travaille en partenariat avec de nombreuses personnes. Donc, lors du dernier conseil, vous nous avez demandé de continuer à travailler aux consultations qui ont déjà cours sur le processus de programme de développement post-2015, après 2015. Nous l'avons fait par trois voies. Comme vous le savez, d'après ma présentation de mardi, nous avons participé au groupe spécial des Nations Unies sur l'après 2015. Ensuite, nous avons collaboré étroitement dans le Forum mondial sur le développement de la migration et au sein du groupe du Forum pour la migration. Et ensuite, nous avons eu des activités spécifiques à l'OIM, y compris des publications, des réunions, des groupes sociaux et des projets pilotes. Donc, le rapport qui a été présenté par le groupe de travail ouvert devant l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre cite explicitement la migration et tous les sujets y afférents et dans un certain nombre de sujets, y compris sous le chapitre éducation, égalité des genres, emploi, inégalité, société pacifique et partenariat mondial. Donc, nous avançons bien et ma vision de l'engagement de l'OIM va être motivée par deux considérations. D'une part, la reddition de compte et d'autre part, le plaidoyer. Alors, sur la reddition de compte, nous sommes prêts à établir un cadre de surveillance pour suivre les progrès faits sur les objectifs liés à la migration dans l'après 2015. Sous ce chapitre, je tiens à vous engager tous en tant que membres du Conseil à discuter de la mesure dans laquelle vous, en tant qu'État membre, pouvez soutenir l'effort fait sur le reporting sur la migration. Nous avons proposé d'avoir une discussion au SCPF, au comité permanent, au CPPF, en juin 2015. De plus, l'OIM est déjà prêt pour cette tâche, à savoir la mise en œuvre d'un programme de migration après 2015. Nous avons une empreinte mondiale, une présence mondiale dans plus de 150 pays. Nous avons une expérience indiscutable et beaucoup de capacités et de connaissances sur la migration grâce à notre réseau sur le terrain avec 90% de notre personnel qui est sur le terrain. Nous avons mis sur pied des directives sur comment travailler avec les équipes sur le terrain et pour ce qui en est du plaidoyer, nos activités ne sont pas juste techniques. Nous savons que les objectifs du millénaire les plus couronnés de succès ont ceux qui ont pu recevoir le soutien du plus grand nombre. Ceci est vrai pour le fait de supprimer la baisser la mortalité infantile ou
limiter l'inégalité entre les genres quant à l'inscription à l'école. Donc il faut avoir, il faut faire du bruit et il faut qu'on ait votre soutien pour toucher le plus grand nombre sur l'importance de la migration. Et permettez-moi de vous dire enfin qu'avec nos partenaires, nous allons lancer un ensemble d'initiatives de plaidoyer avec la société civile, avec les universitaires et avec le secteur privé visant à renforcer l'engagement ferme dans ce secteur. Nous utiliserons le dialogue international sur les migrations comme site important et nous voudrions collaborer avec le Forum sur les migrations et le GMG dans ce secteur-là. Et j'aimerais en venir maintenant à nos intervenants de ce matin. C'est un plaisir de pouvoir avoir parmi nous Peter Sutherland, parmi nous représentant spécial du secrétaire général sur les migration internationale et le développement. Il n'a pas pu venir ici, notamment à cause du brouillard à Heathrow, mais c'est un plaisir de pouvoir l'avoir par contact vidéo, en vidéoconférence. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais vous avez pu être parmi nous de façon répétée et vous le savez, c'est toujours un grand plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous. Nous entendrons aussi des interventions de nos trois autres intervenants, mais permettez-moi de commencer par vous, Peter, si vous voulez bien prendre la parole.